I never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. Pierre et moi, nous sommes vus pour la première fois chez des amis à nous à Bruxelles. Et j'étais partie voir mon ami qui avait un bébé et tout. Et lui aussi, il était là. Donc on était là en train de se parler jusqu'à 3h du matin. Et je ne voulais même pas aller dormir. Et lui aussi, il était toujours là. Mais vers, je crois, 4h, il était reparti. Et moi, j'étais restée là jusqu'au matin chez mon ami. Et après quelques jours, on s'est donné rendez-vous au cinéma. Et après ça, on avait commencé à se parler, à se voir et tout. Oui, mais je ne me rappelle même plus du film. Moi non plus. Je me rappelle plus. Ouais. Mais c'était tellement bon. Ouais, c'était un très bon film. Voilà. On avait passé vraiment des bons moments ce jour-là. Ouais, c'était les débuts de notre histoire d'amour. Voilà. Qui trouve une femme trouve le bonheur, ça franchement j'en suis convaincu, parce que je me disais que dans ma vie je devrais être heureux avec une femme selon la Bible. Et avant de rencontrer Chacha, ma femme aujourd'hui, franchement j'ai été un jour appelé par mon parrain qui m'a dit j'ai rêvé que tu avais trouvé une bonne femme, et qui m'a décrit les qualités de la femme qui avait étudié avec elle à l'époque, avec lui disons à l'époque. Et à ce moment là j'avais laissé ma femme ici à la maison avec mes invités. Je lui ai dit papa, j'en ai trouvé une. Et elle m'a dit c'est bien, c'est très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques mois, on ne se voyait plus puisqu'il y avait quelque chose que j'avais mal interprété. Mais tellement que c'était la volonté de Dieu, de ma vie, je n'ai jamais gêné pour une femme. Mais je dois vous l'avouer aujourd'hui, j'ai fait un jeûne de 6 jours. De 6 jours, c'était pas de 3 jours. Non, c'était 6 jours. C'était une semaine. Je partais au travail et je revenais. Juste pour moi. Je priais pour dire à Dieu pourquoi j'ai pas eu la femme dont tu m'avais parlé. Et si c'est elle, qu'elle revienne. Si ce n'est pas elle, qu'elle s'en aille et que je trouve celle que tu avais proposée. Heureusement que c'était elle. Je suis très content aujourd'hui. Et je vous donne les rendez-vous pour le 27. Le 27 octobre. À Londres. Voilà. I fell love in you. And no other love will do.
That's why I love.